Pouvons-nous nous rasseoir. Frères et sœurs, brièvement, nous allons consacrer ou bénir nos frères. Oui. Yo. L'itéa lisuki. La prédication s'est terminée. Dokola tukuyoka kambala nambala. Comme nous l'entendons souvent. Na ibandeli. Au commencement. Genèse 2, 18. Genèse mibale zomina mwambe. Komama boye. Il est écrit ceci. Yahvé Nzambe alobi. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ezali malamu te te moto azale moko. Il n'est pas bon. Ezali malamu te. Alors dans ce cas, Nantango boye. Nabongo. Nabongo. Je lui ferai Nagoselaye une aide semblable à lui. Musungi moko ya kokani na ye. Et ainsi de suite. Pe bongo nabongo. Dieu a formé Zambasalaki tous les animaux. Banyama nyoso. Mâle femelle, mâle femelle. Mobali na mwasi, mobali na mwasi. Mais l'homme Kasimoto a été formé Yasalamaki dans un corps de chair. Katina zoto musuni. Seul. Yemoko. Mais créé Kashakilamaki mâle femelle. Mwasi pe mobali. Mais formé seul. Kashaselemaki yemoko. Mais la Bible dit Bible lobi malgré dans chaque créature, chaque animal, il y a un couple, couple. Mais pour l'homme, pour moto, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ça, c'est la dernière partie du verset 20. Alors, verset 21. Comme l'homme ne trouve point d'aide semblable à lui, alors il y avait Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Et l'homme s'endormit. Et il y avait Dieu pris une de ses cordes. Et après avoir pris, referma la chair à sa place. Akangisa kilisusu musuni nesika nango. C'est le véritable chirurgien. Bien de azali chirurgien à solo penza. Y avait Dieu. Yawenzambe. Forma une femme. Asala kimwashimoko. De la côte qu'il a l'avait prise de l'homme. Utana panzio ya zoaki utana mobali. Et il l'amena vers l'homme. Voyez-vous? Il l'amena vers l'homme. Et tous les deux, même matériaux. Même matériaux. Amen. Amen. C'est le type du Christ et l'épouse. Ezeli lingi ya Kristo na mwasi libala. Même matériel. Eloko moko. Christ est la parole. Christ azali loba. L'église sera une église parole. Eglise koza l'ecclesia liloba. Amen. Amen. Alors, na bongo. La Bible dit il lobi. Yahvé Dieu. Yahweh Nzambe. Après avoir formé l'homme, la femme, de la côte qu'il avait prise de l'homme, il l'amena vers l'homme. Amemaki e pai na moto. Et l'homme dit, pe moto alobaki, se réveilla de son sommeil. Kolamuka kota mpongi na ye. Voici cette fois, tala na mbala oyo, celle qui est haut de mes os, yo azali mokuwa mikuwa na ngai, et chair de ma chair. Pe musuni ya musuni na ngai. Comme aussi à Christ, la Christo, qui dira de la même manière ouais, en tant que le second Adam, l'okolo, quand il verra l'okolo, la seconde femme, l'okolo, il dira l'okolo, oui, yo, voici cette fois l'okolo, l'église, l'église, l'assemblée l'okolo, qui est parole l'okolo, et qui est parole l'okolo,
de ma parole. La vie de ma vie. La sainteté de ma sainteté. Voyez frère. Même l'esprit de mon esprit. Oui frère. C'est comme cela que nous pourquoi tout cela? Prenons soin. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Et de la même manière, l'église, Ecclesia, l'épouse, a été tirée du Christ. C'est la même chose. C'est comme ça que nous croyons. Maintenant, l'institution du mariage. Verset 24. C'est pourquoi c'est Dieu qui parle. Tolongo est pas à Adam. Nous quittons maintenant Adam. Adam de Abandai Koloba. C'est Adam qui parlait là. Dans verset 23. Mulonga tumbali. Ici c'est le verset 24. Ah, c'est Dieu qui reprend la parole. Zambenda Zuli Loba. C'est pourquoi. Deponango. L'homme quittera son père Mubala et sa mère. Tika tata na mama na ye. Et s'attachera. Pe akomi kangis. À sa femme. Et pas na moisi na ye. Pas s'attachera à ses femmes. Exacte akomi kangis. C'est pas basi baye. Ici il n'y a pas la polygamie. Ah wa polygamie zalite. S'attachera à sa femme. Ah, comme quand il sait pas moi sinaye. Voyez. Bomoni. Et ils deviendront. Peba kokoma. Une seule chair. Musuni moko kak. De deux là, les deux là. Baba lewana. Un homme et une femme. Mobali moko moi simoko. Deviendront. Bakokoma. Une seule chair. Musuni moko kak. C'est ça l'institution du mariage. Wana ndeko bandisa malibala. C'est Dieu qui l'a institué dans le jardin. D'Eden. C'est ce que Dieu a institué. Au commencement. Ici, awa. Chute nano yakiti. La chute n'était pas encore arrivée. C'est pourquoi polygamie est kota kinano. C'est pourquoi la polygamie n'était polygamie pas encore kota après la chute. Polygamie zo kota nesima kokoya. Mais ici c'est avant la chute. Ah ouais, zali bosoa kokoya. Si nous avons aujourd'hui la polygamie, so, londongo, le contraire de la polygamie, c'est quoi? Okay, c'est la monogamie. C'est la monogamie. La monogamie. Il y a des prédicateurs, il y a des prédicateurs qui refusent de dire ça. Oh, nous ne croyons pas à la doctrine de la polygamie. Ton imagaté, mal question ndongo. Ni à la doctrine non plus de la monogamie. Et ça s'appelle doctrine de la monogamie. Mais nous croyons au mariage. Ton imagaté, c'est quoi qu'il parle? Sincérité. Ce qu'on sait reconnaître que polygamie, si tu reconnais que la polygamie, c'est un mariage d'un homme avec plusieurs femmes. Ah, yebaka que monogamie, zalibala ya moisimo. Ah, sache que la monogamie, c'est le mariage d'une seule femme. Le contraire de la polygamie, c'est la monogamie. Ok, c'est la polygamie, zali monogamie. Mais le mot monogamie, monogamie ou polygamie, polygamie n'est pas mentionné dans la Bible. Et tanga matekati na Biblia. Et où tu sors dans le latin? Et ça vient, je ne sais pas du latin. Il faut connaître cela. Donc, okolukati wa bi polygamia wa. Oh, polygamia. Où est la monogamie? Comment kandenge wa nati? On n'écrit pas ça comme ça. C'est cette façon. Et ce qui obéit à polygamie, à monogamie, ça s'arrête pas seulement à la polygamie, à la monogamie. Et Zoami peut na polyandrie. Il y a aussi la polyandrie. Polyandrie, ça, moi c'est mon co. Polyandrie, c'est une femme. Na mi bali ebele. Avec plusieurs hommes, plusieurs maris. Omoni. Voyez-vous? C'est ça. Eza bongo. Owana. C'est là. Zambi a bandi sa ngote. Dieu n'a pas institué ça. Oh, il y a Bandisaki. C'est qu'il a institué. Moko, un homme. Moi, si moko. Une femme. Ndenge zaki na ba espèce nyonso. Tel que c'était sur toutes les espèces. Ça pas à bamboloko. Ça soit chez les antilopes. Ça ce soit chez les chiens. Tant que chute, continue ma cambouise. Quand la chute est entrée, c'est alors que tout était bouleversé, tout était chamboulé. Moi, si a commis dégradé. La femme a été dégradée à Kitisama. A longue, la même position na l'homme. Elle a quitté la même position qu'elle avait parce avec l'homme. Parce que Bazaraki est go. Pour être Bazaraki, Bakokanaki. Mais ce qu'on mobile a mati gras. Maintenant, le mari a été gradé promu. Bayebisi moi si boye. On dit à ça. Et l'homme. Ben mobile dominera sur toi. Akodon doit l'icolona yo. À partir de là. Utawana. De polygamie yego kota. Alors que la polygamie et est en fait. Et c'était après la chute. Isaki na sima kokoya. Amen. Amen. Et la polygamie était légale à cet âge. Donc le bana kinde na tangwana. Omoni. Voyez-vous? C'est entre. Isakatia. Après la chute. Sima kokoya. Et la mort du Messie.
Dans l'église, la polygamie était légale à cet âge-là. Et Messie Tango Yaye, dans la nouvelle alliance, même quand lui-même est prêché, il n'a jamais prêché la polygamie. Écoutons-les. Lui-même, il parle ici. Dans Matthieu 19. Matthieu Zomina Liboa. Qu'est-ce qu'il avait dit? Il dit ceci. Matthieu 19. Matthieu Zomina Liboa. Nous lisons ceci. Au verset 4. Jésus leur répondit. Yes, on a qui bango. N'avez-vous pas lu que le Créateur? Bino. Botanga qui t'aide Mokeli. Nous avons le privilège de lire. Là, il posait la question aux pharisiens. N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, n'a ébandeli, pas après le commencement, mais c'était au commencement, créa l'homme, confie l'homme et la femme. Non, moi si. C'est ça. C'est ce qu'il a fait. Au commencement, l'homme Mobali et la femme. Et après les avoir faits, et il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera, se joindra à sa femme, s'unira à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. C'est Jésus qui parle. Dans la prédication mariée divorce, Frère Branham a dit, Jésus en disant cela, il nous a ramené au commencement. Et être ramené au commencement, c'est un processus. Étape par étape. Si il nous a ramené, c'est toujours l'homme qui domine. Ça, c'est jusqu'à la rédemption de nos corps. Ça ne peut pas être enlevé, ça ne peut pas être ôté. Jusqu'à la rédemption de nos corps, la femme ne prêchera jamais dans l'église. Moi, si à côté, à ce qu'on m'occupe, c'est une église. Jusqu'à la rédemption de nos corps, la femme enfantera avec douleur. Moi, si à côté, on n'a pas passé. Parce que c'est un processus. Parce que c'est un processus. Mais au sujet du mariage, il nous a ramené au commencement. C'est-à-dire, ce qu'il a institué dans le jardin d'Éden au commencement. Un homme, une femme. C'est ça. Quand tu l'as vu lui-même prêcher ça. Et comment on a simanaye? Verrez après lui. Même apôtre. Attends, Thomas. Je vous des apôtres seulement. Si nous prenons le premier, c'est Paul. Lui, notre apôtre à nous, les nations. Nous ne sommes pas les croyants des juifs, nous sommes les croyants des nations. Pas croyants venus de juifs. Non. Il dit, le croyant venus des nations. Les Corinthiens ici, les Corinthiens lui ont posé 1 Corinthiens 7, versets 1 à 2. Pour ce qui concerne les choses au sujet desquelles vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la fornication, que chaque homme est sa femme. Darby dit est sa propre femme. Et que chaque femme est son mari ou son propre mari. Ici, il se réfère à la Genèse 2, verset 24. C'est ça. Boinde.
Ici, quand Paul leur répond, il savait que c'est Moïse qui avait Abraham était polygame. Il savait que Abraham était polygame. David. Salomon, Azaki polygame. Salomon, David. Paul savait que tous ces gens étaient des polygames. Mais Paul les ramène, les retourne là-bas. C'est ça. Et ça, bongo. C'est ça la prédication des apôtres. Et celle du Seigneur lui-même, c'est celle-là. Écoute même comme Paul parle ici. C'est toujours Paul. Dans chapitre 9. Quand il exprime le souhait de se demander s'il manquait ce droit-là. Il dit ceci. Il dit. Dans chapitre 9, verset 5. 1 Corinthiens 9, le verset 5. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Une sœur. Pas de sœur. Qui soit notre ou nos femmes. Basala, donc il avait dans sa pensée qu'un croyant n'épouse qu'une seule femme. Une sœur qui soit notre femme. Donc Paul, nous avons droit à Barnabas. Barnabas est mort. Nous ne pouvons pas nous marier. On prend une sœur. Tu choisis une sœur. Aujourd'hui, en mariage. Où est le mal? Où est le mal? Il devient ta femme, où est le mal? Il y a beaucoup de sœurs. 2 millions de femmes. Comment va chanter Rochero qui a plus de femmes que d'autres? J'ai entendu le président actuel du général. L'actuel président, le général. Qui a fait un coup d'état là-bas. Voici un coup d'état qu'on a. A sali loi. Il a sorti une loi. Loi où les alli. Tous les généraux. Et loi dans l'école. Bah, généraux, bah, so. Il faut bah, comment, bah, polygame. Doivent devenir des polygames. Tous les généraux. Bah, généraux, nous. Mais où les abango? Ça c'est eux. Ce n'est pas dans l'église. Exactement, dans l'église. Dans l'église, il n'y a pas un ministre dédié. Quand tu l'église, exactement, mon salut, mon conseil. Mais à quoi ça là? À partir d'aujourd'hui. Quand on va où t'allez là? Chaque prédicateur. Montez-moi là. Il faut comment la baser belé. Il faut avoir plusieurs. Chaque frère a doit baser belé. Que chaque frère ait plusieurs femmes. Ce côté, il n'est pas des affaires donc. Si tu prêches comme ça, ouais, non, malgré ça, le coup. Parce que bantou m'a batté. Parce que les apôtres n'ont pas prêché ça. Tu vas poser la question. Pourquoi ce n'était pas une fausse doctrine dans l'Ancien Testament? Parce que la polygamie était légale à ce temps-là. En ce temps-là, ce n'était pas seulement la polygamie. Si nous prenons par exemple les péchés que nous avons commis aujourd'hui, que nous commettons dans l'Ancien Testament. Quand quelqu'un commettait un péché, il prenait des sacrifices, y a bangombe, des vaches, des chèvres, des brebis, pour les offrir et couler leur sang, en fait, faire dépendre leur sang, répandre leur sang. Qu'offrir yango, qu'on sacrifier, le sacrifier, le sang est répandu, afin que le sang soit et couvrir répandu, péché naïe, pour couvrir son péché. Et depuis la venue du Messie, du sacrifice est parfait. Il s'est offert lui-même pour nos péchés. Est-ce qu'on n'a plus besoin? On a encore besoin de ces animaux-là? De ces animaux-là? De sang des animaux? Non. Maintenant, dans l'Ancien Testament, c'était praticable. Si aujourd'hui, une église commence encore à prêcher ça. Si tu commets un péché, nous dirons qu'est-ce qu'il prêche. C'est une fausse doctrine. C'est une fausse doctrine. Parce que ça ne peut plus être prêché aujourd'hui. C'était valable pour eux. Kamata polygamie ndenge wana. C'est légal pour eux. Et pas n'abiso ezali surité yate. Pour nous aujourd'hui, ce n'est plus une prédication. Et ce sont enseignements wana. Ce n'est plus cet enseignement là. C'est ça la différence. Wana ndeboke seni. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Ezala makambo belé boye boye. Beaucoup de gens ignorent, n'est-ce pas? Bisonjambe a servi songolo. À nous Dieu a fait grâce.
Parce que message yakuna isa yakuna. Parce que le message de cette même les lots. Même aujourd'hui. Chaque moto a yei. Si quelqu'un vient. A quoi mikosa la masua. Il commence à construire un bateau. Ah, mboete batunyoso bakondima ye. Pour que tous ceux qui vont pas. Nakati ya masua wana. Puissent entrer dans ce bateau. Jambe akoboma mokili na mpe. Parce que Dieu va tuer le monde par un déluge. Ou par le feu. Nous dirons que cet homme prêche quoi? Malak Salokuta. Mais l'arche était valable. Mais du temps de Noé. Même dans le temps où il y a Moïse. Même du temps de Noé. Valable. Cette l'arche n'était plus valable. Si aujourd'hui quelqu'un vient prêcher. Moi, mon bali nyoso ya kobotama. Tout homme, tout enfant mal qui naîtra. C'est-à-dire tout mal. Tout mal qui naîtra. Ah, il faut qu'on kata yengenga. Il faut le circoncire. Comme doctrine dans l'église, a dû enseignement il n'est pas intéressant. Il enseigner. Et il enseigne. Petit comme on a eu, mon bali est sous-tête. Ne laisse pas ton garçon incirconcis. C'est le signe d'aujourd'hui. Dès l'embalé. Petit gars est sous-tête. Ne le laisse pas circoncis. Tokobenga yazote yani. Nous dirons qu'il prêche quoi? Une fausse doctrine. Malak Salokuta. Mais maintenant on a Abraham. Mais du temps d'Abraham. C'est ça qui est valable. C'était valable. Dans le monde entier, on circoncis? Non, non. Non. De. Même Ada, Azaki est souté. Même Ada était un incirconcis. Faut connaître cela. Adam n'a pas été circoncis. Abel n'a pas été circoncis. Abel n'a pas été circoncis. Seth n'a pas été circoncis. L'autre n'a pas été circoncis. Même l'autre n'a pas été circoncis. La première personne c'est circoncis. Abraham. Et Abraham. Est-ce que ça parle? Est-ce que c'est clair? C'est ce que nous croyons. Mais Nathan, comment est-ce que nous avons Israël dans l'Égypte? Maintenant, quand les enfants d'Israël sont arrivés en Égypte, Ngengo Ezaki signe. La circoncision qui est un signe. Tango bayeko bimana Egypto. Jabelobi babo mané banampate. Tu as dit Dieu l'a makira papa kolo na makonji. Et de prendre le sang et l'application. Signe d'aujourd'hui. Makira. Le sang. Soki moto ya kokolo bake bon ngana di na ko na za na besoin na basigne mususu te. Si quelqu'un pouvait dire je n'ai pas besoin de signe. Mon signe à moi c'est la circoncision que j'ai déjà faite. Mwana kulutu oya tikalaka. Le premier né qui était circoncis. Il allait mourir. Où on n'avait pas appliqué le sang, cet enfant allait mourir. Il n'a qu'à Koufa. Parce que la circoncision en Égypte, dans mon colo sorti, Nabutu a des actes qui sont valables. Dans cette nuit-là, la circoncision est valable. Et quoi y a-t-il en go? Faut connaître cela. C'est comme ça toujours tamboula nanza. Comme ça que nous marchons avec Dieu. Chaque âge a son message. Et le connaît le pas pour Dieu. Rien Dieu a dit si aujourd'hui vous entendez sa voix. N'endurcissez pas votre cœur. Il dit aujourd'hui. Pas hier. La voix d'hier, c'est la voix d'hier. C'est le d'aujourd'hui, c'est le d'aujourd'hui. Amen. Amen. C'est ce que nous croyons. Pour le mariage. Pour la libala. Un homme, une femme. Moi, Simoko. L'homme doit quitter son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Pour n'avoir commis pas moi, Sinaï. Tel que les bien-aimés l'ont fait. Et les deux maintenant vont devenir une seule chair. Bientôt là. Kalate. Cette nuit même. Nabuto Okak. Parce que tout ça, unir bango po bako ma musunimo. Parce que nous allons les unir pour qu'ils deviennent une seule chair. C'est de cette façon-là. Pas deux, trois femmes, quatre femmes prêcher comme ça dans une église. Non, non, c'est mauvais. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, nous nous arrêtons là. Nous allons demander aux bien-aimés de se lever. Levez-vous. Vous pouvez vous avancer. Les serviteurs de Dieu peuvent s'avancer. Oui, ma soeur, mon frère.
Mon frère et ma sœur, vous vous êtes déjà préparé. Vous avez déjà bien réfléchi. Vous avez bien observé. Vous êtes étudié. Et vous vous connaissez déjà. Ce n'est pas connaissance aucune mususu. C'est pas cette autre connaissance là. Mais ça y a quoi ba? Nani sœur azali? Nani frère? Connaître qui est la sœur, qui est le frère? Kotolingite nasima si je sais. Nous ne voulons pas entendre ce qui nasima. Oh, ce qui naie baka. Que yo zagande boy. Que toi tu es comme ça. Bele, na kwaki kundimate que tobala. Je n'accepterai pas qu'on puisse se marier. Tu as déjà connu ce qui concerne la sœur. Tu sais déjà ce qui concerne le frère. Tu ne seras pas surprise. Et je voulais dire une chose. Avant même les lots, avant même de leur imposer les mains, ils étaient fiancés. Bazaki époux. Et cette jeune fille, quand elle marchait, si un autre homme pouvait la toucher, selon la loi de Dieu, c'est une femme fiancée. Moi, je suis abandonné. Si tu la touches, si elle est touchée par un autre homme, c'est une femme mariée. De la même manière avec une femme mariée. Amen. Amen. Et puis je nous avertis, nous les parents. Bino, ba frère, ba ebobalité. Et vous les frères qui n'êtes pas encore mariés. Tope bozali engagé na fiançailles. Ou qui vous êtes engagés dans les fiançailles. Nous qui sommes parents. Biso betuza baboti. Soki to si to ndimi que moi nanga ya mobali to ya mwasi. Si nous sommes d'accord que mon fils ou ma fille. Aza la fiancée. Qu'elle soit fiancée ou fiancée. Na mobali songolo ta moi tona moi si pakala. Par un tel homme ou une telle femme. C'est terminé. Et si li. Donc na perdre pouvoir ya ko casser mariage wana. Ça dit j'ai perdu le pouvoir de casser ce mariage. Ou corrompre fiançailles wana. Ou de rompre ces fiançailles. Je ne plus te pouvoir. Na za susu na makoki wana te. Il ne faut pas que nous agissons comme des païens. Et c'est réalité, tout ça, nous qui sommes croyants du message biblique et du temps de là. Bon, nasi nandima qui est bien sûr. Bon, je l'ai déjà accepté, bien sûr. Mais je ne veux plus. Je ne veux plus. Ma béwane est alisumu. Il faut tant un nombre 30. Il faut lire nombre 30. Dans nombre 30. Dans l'ombre chapitre 30. Moi, na moi sur Azagi na C. Il y a beaucoup de parents. La jeune fille qui était sous l'autorité des parents. Naïe, dans la maison de son père. Engagement, tout vœu, tout serment, yon soroy go sala. Les vœux, l'engagement, tout serment qu'elle pouvait faire. Mokolo papa naya koyoka. Le jour où son père apprendrait. Il faut papa se prononcer. Le papa devait se prononcer. Allo bake, non. Qu'ils disent autant. Je ne veux plus de cette, je veux pas de cette affaire. Tout oui. Tout oui. Oh. Nandimia. Je suis d'accord avec. Mais yes, alobi, oui. Mais il a déjà dit oui. Déjà, mon amour, c'est Azali engagé. La jeune fille s'est déjà engagée. C'est terminé. Et si, lui? Tu as donné ton accord. Au chopé, si, qu'on dit ça, tu as approuvé. On dit ça. C'est fini. Et si, lui? Et en plus de cela, Nicolas Nango, Baye Nalibota, deux familles Bavandi, les deux familles fiançailles sont conclues. Les fiançailles la sont conclues. La fille est engagée. Mon amour, c'est engagé. Et les garçons de la même manière. Voilà, c'est un engagement sacré. Les engagements sacrés, à boule. Donc on ne peut pas le prendre à la légère. Beaucoup de gens ne savent pas. Ouais, le père, tu viens dire plus tard. Je commence par nous les parents. Excusez-moi. Supportez-moi. Voyez-vous? C'est pas bien. C'est pas bien. Et encore. L'isoso. Baye ba doté. Il vient doté. Selon votre coutume. Selon votre tradition. Selon mes anons abino. Bape si oyese nga magapo eye banana libota que abalami. On donne tout ce qu'il est recommandé de te donner pour que soit connu dans la famille qu'il est marié. Pangombale babalani. Que les deux sont mariés. Dès le jour de la remise des dots.
Les parents de la jeune fille disent quoi à l'homme? Va, ta femme est là, tu peux l'emmener. C'est pas surprenant, c'est comme ça que ça se fait. On appelle ça mariage coutumier. C'est ça. Voici ta femme. Parce qu'ils sont croyants. Ils attendent compris pour eux. Mais sinon, c'est déjà yayé. Elle lui appartient déjà. Après la remise à d'autres, toi le père de la fille. Non, je ne veux plus. Viens reprendre ta dot. Viens. Bandimi. Les croyants. Ça, c'est un croyant qui fait ça. Ou bien tata mon amobali. Ou le papa de du garçon. Ah, n'allez-y les sous-souter. Non, je ne veux plus. Mon anga kobali sous mon abinote. Mon fils ne veut plus de moi. Rendez-moi. C'est faux et archi. Ma belle penza. Un croyant qui attend le retour du Seigneur. Mon dieu, ne peut pas agir comme ça. Ezabe ingérence. D'ailleurs, c'est de l'ingérence quand même. Ezabe fiancé nayote. Elle n'aime pas ta fiancée. Azabe femme nayote. Elle n'aime pas fiancé ya mwana nayo. Toi, tu ne peux pas prendre des décisions comme ça. Pourquoi on va décider? Aussi on dit ma au changer yango. Tu étais d'accord et puis tu changes. Osa na duplicité de langage. Osa na malwan balé. C'est pas correct. Eza malamute. Oh, tata ya Billy Paul. Madame Andiraki. Oh, le père de Billy Paul, madame a fiancé. Moi, je suis na Billy Paul. Basaki ba fiancé. Est-ce que cette femme de Billy Paul était fiancée? Il n'était pas fiancé. Billy Paul est allé la coucher comme ça. Billy Paul a gagné la naïe kakaboy. A sangani naïe, c'était l'impudicité. Et là, il député. Et ça, il mariage était. Ce n'était pas le mariage. Il faut qu'on y ait, mais il faut connaître chaque chose à sa place. Est-ce que ça pour les? Est-ce que c'est clair? Est-ce que pour la ningai ba parents? Vous parlez moi-même, je suis bien. Amen. Vous jeunes gens. Bino bilingue bato. Aussi on fiancé une sœur. Tu t'es fiancé à une sœur? Le frère Branham a dit. Si vous n'êtes pas sûr. Ceux qui ont demi samité. Que vous accomplirez votre parole. Et toi quoi que ça le ne promettez rien. Qu'on la quel autre côté. Vous devez tenir votre parole et votre promesse. Jésus lui-même, dans son enseignement, dans sa doctrine. Les gens ne savent pas que l'enseignement, c'est la doctrine. Depuis Matthieu 5 jusqu'au Matthieu 7, c'est la doctrine de Jésus. C'est la doctrine de Jésus. Tanga na fe ya discours na ye. Oui, à la fin de son discours. Ya maloba ya bandaki wana koloba. Des paroles qu'il parle. Kobanda na chapitre 5. Depuis le chapitre 6, 7. Bakomi na suka la foule. Balobi bibele na. Fut frappé de sa doctrine. Bibele ba peta maki na malaki sina ye. C'était la doctrine. Ezaki malaki si. La doctrine même est dans la salutation. Malaki shatakati na mbote. Mbote kotin na kati ya malaki si. La salutation est entrée dans la doctrine. Les gens ne savent pas. L'amour dans la doctrine. Bolingo, aimez vos ennemis. Bolinga, dans la doctrine. Est-ce que ça pour elle? Est-ce que c'est clair? Nous c'est comme ça que nous croyons. Et il dit Alobi. Que votre parole soit Ezal. Oui. Iyo. Oui. Iyo. Non. Te. Non. Te. Et il dit ce qu'on y ajoute. Abi, oh, bah, vient du malais. Et vous voulez accepter des choses qui viennent du malais. Vous avez dit oui. Ensuite, Nassima. Non. Té. Je n'ai pas chrétien ça. Non. Té. Pourquoi le bagu oui, sœur, vous changez pendant lui. Pourquoi tu as dit oui, ma sœur, et puis tu changes. Et ça biété. C'est pas bien. Et à biété. C'est pas bien. Et à biété. C'est pas bien. Et bokobiti na niveau ya fiançailles. Vous continuez jusqu'au niveau des fiançailles. Et vous voulez rompre ça na légèreté. Bolingiko bukango na pamba kaka boy. Ça est motif biblique. Nantina mokote ya biblia. On annule un mariage. Parce que bokali bala moko. Ce qui est appelé la rupture. Oui, kobianga ma. Rupture ce n'est pas le divorce. C'est l'annulation d'un mariage. Zako kabola liba koktika libala. Kolongola libala o ngai salem. Vous voyez, Bomoni. Kopekisa keliba la lisa la mate ba annule ya. On annule le mariage. Balingaki koya kobala na ba annule. Ils voulaient venir se marier. Ba rompre fiançailles. Ça dit ba annule mariage. Ça dit on annule le mariage. Une rupture. C'est ça la rupture. Et rupture ya fiançailles. Et la rupture des fiançailles. Donc annulation ya mariage. C'est l'annulation du mariage. Selon la Bible. Et la Biblia. Motif ya liboso c'était la fornication. Le premier motif c'était la fornication.
À moins que mon amour soit là, au coup taillé, baillé, baillé. Que tu la trouves déjà connue. Et à cause ça qui yoga dans un moseka. Et pourtant elle t'a menti qu'elle était vierge. Tout le temps que vous êtes fiancé, mon père Mosusu, aïe binjo tonaye. Un autre homme connaît son corps. C'est ce que nous voyons. Le retour comme on a. Joseph voulait faire de Marie. Joseph allait faire la malia. Allait rompre naïe secrètement. Il voulait rompre d'elle. C'est-à-dire annuler mariage. C'est-à-dire qu'il annule le mariage. Ça l'a diffamé. Parce que Marie a coutumé la grossesse. Parce que Marie était. Avant que Bango Balé vende ensemble. Avant que les deux puissent cohabiter. Donc pour Joseph. Et pour Joseph. Marie avait déconné. Donc a été touchée. Marie ou était touchée. Namoto Moussousou. Marie a maman qui n'a pas le Moussousou. Mais Dieu a intervenu. Que ce qui vient de ta femme, ce qui est arrivé à ta femme, ne vient pas d'un homme, mais cela vient du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a couvert de son homme. Voyez, c'est ça. Et il est venu la récupérer jusqu'à l'accouchement. Il l'amène à la maison jusqu'à la naissance de Jésus. Et il ne l'a connu point jusqu'à la naissance de Jésus. C'est alors qu'il l'a connu en tant que sa femme. Ces choses-là ont été écrites pour nous enseigner. Nous faisons des choses comme des païens, comme des jeunes d'aujourd'hui. Cette femme-là, tu as déjà trouvé un autre visage. Ah, je n'aime plus cet homme. Oh. 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 Ça ne se fait pas. Faisons des choses comme des chrétiens. Agissons comme des chrétiens. Pas tout simplement chrétiens, mais comme des élus de Dieu. Les élus, ce sont ceux qui croient à chaque parole de Dieu. C'est ceux qui font la volonté de Dieu. Ceux qui acceptent tout perdre à cause de Dieu. À cause du Seigneur. Amen. 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 Je dis tout cela pour votre bien. Pour na bola mona bino. Moi, je ne suis pas fiancé. Je suis un marié. Vous voyez? Bon. Okoko yokate, ngai na mosi na ngata soki na moniye, ayoko ngai risulte. Allez, kende. Allez, fatan, fatan. Non, c'est pas important. Eza na moto yate. Le Seigneur vient bientôt. Kola ko yakalate. Il revient. Akozonga. Et cette nuit-là, de deux, dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. C'est l'écriture. Que chacun fasse sa part. Frère Branham a fait sa part. Moi, frère Franck, je fais ma part. Et vous, frère, vous devez faire chacun sa part. Et nous attendons l'achèvement. Et celui qui achèvera, c'est le même celui qui a commencé. Lui-même achèvera son œuvre. Amen. Est-ce que Toyokani? Est-ce que nous sommes d'accord? Toyokani. Sommes-nous d'accord? Amen. Mais frère bituna tuna ya baserete. Et les frères aussi pas de demande. Tolingi baraturete. Nous ne voulons pas de rature. De l'autre nous sérieux. Aujourd'hui tu sollicites ta sœur. Nous sérieux pour les imiter. Demain tu vas solliciter. Sérieux pour les imiter. Le lendemain une autre sœur tu sollicites partout. Même si tu as changé milliers. Même si tu changes des milliers. Tu vis dans le désordre. Oh kobika katina lwenge. Ozokende yo moko Dieu n'est pas avec toi. Nzamba za kokendete longona yo. Dieu ne conduit pas tes pas. Nzamba kokambate matambe na yo. Tu es un frappeur de toutes portes. Osa mobetsa bikuki andenge na ndenge. Tu frappes. Tu vas là-bas, tu frappes. Tu frappes. Oh oh. Boni. C'est quoi ça? Boni. C'est quoi? Oya kambami na nzambe. C'est lui qui est conduit par Dieu. Nzambe ko kambana e ya ko kambana na kuki ya ko bet. Dieu va le conduire à la porte. Dès qu'il frappe. Ogoka na kadi kuna oui. Tu attends là-bas, oui. À qui j'ai l'honneur? Qui frappe à la porte? Nana kobeta ne kuki. Ngai. Ezangai. Okomona kaka asemboli robo. Ouais, elle va tendre la main. C'est ça. Ezabongo. Esili. C'est fini. Oh, est-ce que vous avez un modèle? Est-ce que tu as un modèle? Modèle Ezali. Il y a un modèle. Bongo Isaac. Alors que Isaac.
Isaac. Ne serait-ce que ce modèle là, Isaac. Tu vas frapper partout. Tu frappes. Zéro. Tu échoues. Tu frappes là-bas. Pénalité. Il rate même le pénalty. En l'air. Au-dessus de la barre transversale. Des frappes en désordre. Voilà. Des tirs ratés. Tout ça, c'est pour notre bien. Nous sommes pour notre bien. Ordonné. Un enfant de Dieu il attend la conduite du Seigneur. C'est comme ça. Ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leur force. Ne faut pas anticiper. N'allez pas au-devant du Seigneur. Mais il faut conduire. C'est lui qui nous conduit, qui nous guide. Tu verras que les choses vont bien marcher. L'union qui vient de Dieu, personne ne peut les séparer. Et toute union qui se disperse ne vient pas de Dieu. Mais celui qui brise cette union là, c'est lui qui répondra. Dieu est Dieu. Voilà. Bongo. Les parents sont ici. Celui qui m'a appelé, c'est le berger Mbie Kalombo. Ma parent propre et à soeur, les propres parents de la soeur sont en Bougemaï. Je crois qu'il y a frère et père de la même manière. Oui, bah oui, eux aussi sont en Bougemaï. Ici, on n'a pas à demander qui la donne en mariage. C'est tout. Et s'il donne les anneaux. Bah non, ce que ça. Donne les anneaux, Chiana. Ça, ce sont les signes. Les signes de l'alliance. Mais vulgairement, on appelle ça alliance. Ça, c'est pas vraiment l'alliance. C'est un anneau. Signe d'alliance. C'est le signe de l'alliance. Mais l'alliance, c'est le mariage de l'alliance. Tu peux manquer ces anneaux. Mais pour conclure une alliance. Prends son anneau et tu places à son doigt. Ma très chère épouse Assine Domba, nous voici aujourd'hui à notre jour, le jour inoubliable, devant Dieu, devant le serviteur de Dieu et devant l'Église. Je te fais porter cet anneau comme signe de notre amour. Je te promets la fidélité et l'amour. Que Dieu te bénisse. Serge, mon amour, je t'aimais cette alliance. Comme notre signe, le symbole d'amour, je te promets la fidélité, la soumission, je te promets d'être fidèle, d'être soumise en toutes choses, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Awa boy mituna na kotuna te. Et si je ne sais pas mituna na ringa ina tuna yango na bango moko. Les questions se promettent. Les questions que j'avais à poser, ils se sont promis eux-mêmes. Sinon te koko maloko la rite. Sinon ça va devenir comme un rite. Promettez-vous que okolakaite. Parce que c'est promettre, c'est déjà. Ils se sont promis eux-mêmes, se sont fait des promesses. Botia maboko na bino. Placez vos mains ici. Toko kote le pouvons lever. Serviteur de Dieu, nous allons prier. Prions. Tout bon de là. Oh. Jambé.
Yotata. Nankolo na biso Yesu Kristo. Nazali kotondo yo. Botondi. Mobandisi ya libala. Echalinde yo. Tomoni diloba. Liye yo bimisaka na ibandeli. Misu na biso. Emoni ango koko kisama. Mobali atiki tata na ye na mama. Ami kangisi na mwasi wa ye. Pe bango babale. Utalelo basali kokoma musuni moko. Matondo. Tuzali kokanisa lisangana ya mwasi libala. Ya mapele. Na mubale ya libala ya lola. Oyo toko koma na yonzoto yoko pe elimo moko. Matondo. Likambo kitoko. Oyo bandisa. Eza ndongote. Eza ekobote pitete. Eza kilesbienete. Eza li l'homosexualitete. Zape polyandrite, mais mariage, institution divine, depuis le jardin d'Eden. Merci. Oyoki libondeli yabasali. Oyoki swe yabapan. Mpe yabafre nabaseur. Même des amis et des connaissances, tous comme un seul homme, to tombe libango ma pamoli. Jambe na biso, bande ko babale baye, banda lelo, to sangisi bango, di boso na yo, di boso ecclesia. Tu bosses à ma membre et à famille de deux côtés. Comme mari et femme. Seigneur, Beto Sengi, Bafluka, Babota, Batondi Samabele. Moubali Nesika Naye, moi si Nesika Naye. Ba vœu na ba promesse définitive. Oyo baouti kusalana. Sungabang. Sans toi, ils ne pourront rien faire. Mais avec toi, ils feront des exploits. Et nazali ko consacré bango. Et painayo. Pe nazali kuinir ko marié bango. Dans ce saint mariage, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Désormais, Bango Yuba Kokende, unis comme mari et femme. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, amen. Amen. Vous êtes imani. Bobalani. Oyo, 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 oyo. Code de la famille. Hein? Ça, c'est le code de la famille. La Biblia. C'est la Bible.
Donc moto ya bandi saka libala buku na ye. C'est lui qui a institué le mariage, voici son livre. Makamunyoso libala ezalia. Tout ce concerne le mariage se trouve ici. Ba devoir na yo envers elle. Tes devoirs à toi envers elle. Ya sœur envers toi. Les devoirs de la sœur envers toi. Tout est ici. Nyoso ezalia wa. Règlement d'ordre intérieur. Le règlement d'ordre intérieur. Ya famille chrétienne. De la famille chrétienne. Nzambe apambula bi. Que Dieu vous bénisse. Nous nous arrêtons ici. Les visiteurs peuvent se lever pour que nous les voyions. Ouais. Ok. Ah. Ah. Donc, Papa Yawa et Tuluku Oyezaliawa. Le groupe qui est ici. Ezaliya Balongani. C'est ça. C'est le groupe des mariés. Voilà. D'abord, bango mokonano. Tu yambi bango de sengo. Nous les accueillons avec joie. Amen. Milolo de. Amen. Non, binote. Bravo. Ayozana groupe. Ah, tu es du groupe. Ma frère n'a pas sœur, bo ba uti bipa ina bipa. Alors les frères et sœurs qui viennent des différents endroits. Bango. Ah, ils sont là.